Résoudre le problème de sécurité en Haïti, j'ai un peu de monde comprendre que c'est difficile, il va difficile. C'est seulement des volontés. C'est pour l'État, pour la responsabilité, il y a une volonté tout bon vrai pour résoudre ça. Je veux dire, résoudre le problème de sécurité dans le pays. Nous ne pas supposer prendre force multinationale pour te résoudre. Depuis que tu as une volonté, ça t'a résoudre. Et je veux dire, quand il y a une bagarre qui cause que le pays a envahi comme ça, gang, c'est parce que gang yo gardé chaque action que opposé yo ta attendre une réponse l'état ta kabayo l'état pas ba aucune réponse et puis on continue à avancer yo continue à avancer jusqu'à ce que nous arrivé dans niveau que nous arrivé là même parce que je dis à puis bon moyen que nous ka mettre sous pied pour nous résoudre ça c'est mettre des opérations sous pied sans relâche goumer tout bon pour nous garder qui j'ai que nous ka baisser de temps en temps phénomène et deuxièmement qui ça qui met naissance à phénomène banditisme? C'est moun qui dans ghetto, moun qui dans quartier populaire pas ka manger. Je dis à qui ça nous doit faire nous même comme moun, comme l'état, FAES. On dit arrivé dans quartier populaire, met ton projet sous pied. On ba ghetto à manger monsieur. On prend soin moun yo dans ghetto. Et depuis moun ghetto yo, soin yo a point véritablement m'a dit ça clair. Phénomène n'a baissé. On nous garder qui projet que nous ka faire pour la jeunesse, pour jeune gars levé yo. On nous garde qui gens nous ka mettre sous pied des bons moyens des bons gens projets pour intégrer moun sa vivre on l'autre vie et moi c'est véritablement depuis moun sa vivre on l'autre vie au moins des bagages que va rentrer tête yo on essaie mettre sous place quelques moyens pour que nan tant qu'a venir pour payer pas pour dire plus bandi.